combattants, en avant, en avant. Je sens que j'ai pu avoir beaucoup de combattants à la fin de la partie. La bataille. Ah, fumier. Que c'est pathétique. Ah, fumier. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment. 15 tués, 10 blessés. Waouh. On en a emporté 36 en face. On a eu des prisonniers. Mais ouais. C'est les meilleurs qui ont survécu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la fourrure. Quelle bouteille d'huile. Il y a des trucs quand même assez intéressants. De la bouffe surtout. Ça c'est vraiment intéressant. Quoique j'ai pas de grosses armées en campagne, donc c'est pas la peine de prendre des stocks énormes. Seulement 549 deniers, c'est pas bon. Non, je vais pas relancer une agro de grosse envergure. Un fantassin nordique. Un traître, ouais. Je devais aller rouge digue. Trente-huit bandits, c'est tout. Allez, un petit one shot. Et en plus, one shot, headshot. Fermier a été tué par bandit des montagnes, ils s'en foutent. Bon, j'attire les gros de leurs troupes, c'est déjà ça. Plus de flèches. Ah, zut. Thank you.
Et je suis quand même pas tout seul. Si. Bah, je suis dans la merde. Un plat, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Allez, le premier doigt. Ah, j'ai un bon cheval quand même. Je crois que le bâton est totalement ensanglanté, ça pointe qu'il l'est pas encore, pas trop en tout cas. Allez, ah t'essaies de t'enfuir toi. Vraiment, il a retrouvé du courage à la dernière seconde. Bon, si j'en tue au moins un à chaque passage, ça devrait être fini dans à peu près 40 tours, quelque chose comme ça. Il faudrait que j'arrive à en tuer un au moins à chaque passage. D'accord, je suis passé sur... le cheval a subi, je suis parfait. Il s'est préparé pour rien. Ah, il pourrait se laisser tuer quand même. Un niveau dans les armes d'Ast, mais c'est génial. Et j'ai raté. Oh là là. Oh, j'en ai eu un. Ah. Tiens, dans ta bouche. T'apprendras à venir me chercher des crosses.
Ah, je crois qu'il y a un bouclier qui s'est brisé. C'est ballot que son propriétaire meurt. Non, c'est ça, merci peu. Le mec a réussi à faire une parade à la dernière seconde. Ouais, bien joué. J'ai pas demandé un mot. Comment un mec avec un chapeau si ridicule a pu parer mon attaque? Ah, le mec au chapeau, il l'a. Tiens, je l'ai assommé. Ah bah, à force de se prendre mon canasson dans la bouche, il a fini par s'assommer. Bien. Tiens. Tiens. Tiens, le mec au chapeau magique. Tiens. Toi, je sais pas qui t'es, mais tu t'es pris mon cheval. Tiens. Comment gagner une bataille en étant tout seul? Vous faites ça. Vous tournez autour d'une maison avec vos ennemis qui essaient de vous tuer. C'est pas mal. Ah, s'il serait un tant soit peu intelligent, il se mettrait en bloc. Sans bouger, il ferait une tortue. Mais bon. Heureusement que ça se désire. Viens de moi, allez, au suivant. Oh, comme il est mignon. Tiens, dans ta jambe. Allez, t'en veux encore? Bah oui, t'en veux encore, allez. Par contre, là, c'est moi qui en veux encore. Zéro point de dégâts. Le mec, sérieux, achetez-vous du meilleur matériel quoi, si vous voulez m'attaquer. Vous battre avec moi, achetez-vous du meilleur matériel. Tiens. C'est à ton tour. Tiens. Victoire. La lance en... Ah purée, on avait bien vu avec la luminosité, la lance complètement sanglotée avec la lune derrière. Bon bah dommage. Alors j'ai perdu un fantassin nordique et un fantassin vétéran saranide. Les deux seuls qui ont pu aller au combat, ils ont été blessés. 14 paysans tués et sinon 5 blessés en face. Je prends ce qui me revient de droit. Ouais, pour une flèche pourrie, allez. Je vous donne une flèche pourrie. 14 volontaires. Oh, bien. Bon, alors est-ce qu'on peut prendre... Renommer autre royaume... Change your vassal's title of nobility. C'est quoi? Minos.